Autrefois, cette cité était pleine d'énergie. Sale et dangereuse. Mais vivante et merveilleuse. Aujourd'hui, tout a changé. Ça s'est fait sans bruit au début. Personne ne réalisait ou ne s'en souciait. Les gens ont accepté. Ils ont choisi une vie tranquille. Mais pas tous. Ceux qui ont refusé de se conformer sont devenus des marginaux. Des criminels. Ils sont devenus nos clients. On nous appelle les messagers. Nous vivons sur le fil qui sépare le brillant et la réalité. Le fil du miroir. Nous restons à l'écart, hors de vue. Et les policiers nous laissent tranquilles. Les messagers voient la ville à leur façon. Sur le fil, les toits se transforment en chemin et en conduit, en issue et en raccourci. Sur le fil, nous restons en mouvement. Et donc, en vie. Entraînement, Face. Ouais, je sais, t'aimes pas ça. Mais ta chute t'a mise hors service un moment. Non, tiens-toi en forme. Ça peut servir dans cette ville. Et c'est donc ce nouveau parcours. Céleste me doit une course, alors suis le mouvement, ok? Si tu veux lui en mettre plein la vue, te gêne pas, ok? Face. Contente de te revoir plus tôt que prévu.
veux que je teste tes talents de combat. On ne sait jamais. T'es prête? Ok, vas-y. Ok, Face. On va essayer un peu le désarmement. Au cas où. Rappelle-toi ce que je t'ai appris. Isole-les, prends-en un à la fois, si tu dois te battre. Ok, c'est bon pour aujourd'hui, les filles. On va passer aux choses sérieuses. Break a un boulot pour toi, Sen. Vois ça avec lui. Face, fais-moi signe quand t'es prête. À plus tard, Face. Parler de toi, Faith. Un hélico de journaliste t'a repéré et a prévenu les flics.
Va falloir passer en force. Rejoins Céleste et fais attention aux flics. Dépêche, Faith, t'as les flics au cul. Faith, envoie-moi la valise. Ok, à mon tour de jouer. Fais gaffe, Cel, il ne plaisante pas. Ça ira. Merde, cours! Juste ouvert le feu. Je me demande ce qui se passe. Je me renseignerai. Ramène-toi à la base, Faith. Répétez, officier Connors. Je dois voir Pope, Robert Pope, pour sa déposition sur le cambriolage. Enfin bref, c'est au 56 West Harland Drive. Prévenez Miller. Bien reçu. Je transmets le message, officier Connors. Merci. Terminé. Salut, toi. T'es là, ma fille? Hey, Merc. Tu joues encore les espionnes? Tu me connais. Bon, essaie de dormir. Sacrée journée. Je ferai ma petite enquête demain. On verra pourquoi ils ont la gâchette qui les démange. Je tiens au courant, ok? Et ne jette pas la pizza. J'aime le fromage bien, bien fait. Bien fait, ouais, je sais. Bye, Merc. Coup de feu, je répète, coup de feu. Toutes les unités doivent se rendre au 56 West Harland Drive sur le champ. Soyez très prudents. Kate. Où es-tu, Kate? Où es-tu? Hey. Merc. Tu sors? Mets-toi à la radio et suis-moi. J'y suis presque. Bon, surtout, si tu veux m'en dire plus sur cet endroit mystérieux et sur ce que tu vas y faire, n'hésite pas. C'est ma sœur. Ah, ok. Je vais voir ce que j'ai comme info sur le secteur. Une seconde. Sur West Harland, chez Pope. J'imagine que tu vas là-bas, mais fais attention, on sait pas ce qui s'est passé. Il est candidat à la mairie, non? Enfin quelqu'un qui pourrait changer les choses dans cette ville. Emmenez vos enfants au centre commercial New Eden,
N'hésitez pas à vous arrêter aux Saveurs du Paradis pour un petit déjeuner, le repas, le dîner ou le goûter. Les Saveurs du Paradis, un restaurant divin. C'est toi ? Non ! Tu ne le reconnais pas ? Je devrais. C'est Robert. Robert Pope. Un ami de papa. Merde, c'est lui ? Il m'a appelé. On s'était pas parlé depuis un sacré bout de temps. Il s'est fait cambrioler. Il est toujours en campagne. Tu lis pas les journaux ? Les journaux n'existent plus. Y a que de la pub. Il voulait devenir maire. Donc c'était plus simple qu'un cambriolage ? C'est ce que je croyais. C'est bizarre. Il a parlé du cambriolage, m'a demandé de venir... Et il a parlé de toi. Vraiment ? Ça doit faire 10 ans que je l'ai pas vu. En tout cas, il était vivant à mon arrivée. Assis à son bureau, à écrire. Et puis, plus rien. À mon réveil, il était mort. Et je pense qu'ils ont utilisé mon arme. Il y avait un livre aussi. Un agenda. Disparu. Il devait y avoir quelqu'un d'autre dans l'immeuble. Ma radio était dans la voiture et j'ai eu le temps d'appeler personne. Allez, viens avec moi. Je vais te mettre à l'abri. C'est pas le moment de fuir. Je suis pas comme toi. Si je fuis, ils me croiront coupable. Tu crois que c'était un accident, Kate ? Rien n'arrive par hasard dans cette ville. Quelqu'un voulait le tuer et te faire porter le chapeau. Aide-moi. Pitié, Faith. Tu as des contacts. Il devait savoir quelque chose de très important. Quelque chose qu'il voulait me dire. Je ne veux pas être mêlée à tout ça, Kate. Oh. Tu sais comment je vis. Génial. Je ne peux pas. Les flics arrivent, Faith. Je te suggère de détaler. Disons, vite. Je t'aiderai, Kate. S'il m'arrive quelque chose, va trouver Miller, mon supérieur. Donne-lui tout ce que tu trouveras. Je suis sérieux, Faith. Souviens-toi qu'il ne plaisante pas. Dégage de là. Allez, vas-y. Et Faith, merci. Oh, merde! Suivez-la! Non, Faith, bouge! Le SWAT fonce sur toi, Faith. Trouve un moyen de sortir. Allez, allez ! Il doit y avoir une sortie vers les bureaux de la compta. Thank you.
déconne pas, mets-toi à l'abri. Tu peux souffler. Merde, quel foutoir. Pope est mort, c'est dingue. C'est cette foutue ville qu'il a eue. Tu le connaissais, hein? On dirait qu'il s'est fourré dans un sacré pétrin. Passe le pont qui traverse la ville et continue la fonction en plata. L'avocat et candidat à la mairie, Robert Pope, a été trouvé. Plusieurs voitures de police viennent vers toi. T'as plus beaucoup de temps. Quelque chose les rend nerveux, ma fille. Je sais pas ce que c'est, mais faut pas trop les chercher. Hé, Sal. Pas trop dur l'autre fois? Non, aucun flic ne peut me suivre. Mais cela était un peu coriace. Le meurtre de Pope est sur toutes les lèvres. La police s'active, s'emballe. Je sais pas ce qu'il leur prend. Ça doit être la période des licenciements. Reste sur tes gardes, Sal. Sinon, quoi de neuf? Notre messager vole des preuves sur une scène de crime.
Maintenant, c'est la fille la plus recherchée par les flics. C'est ça que t'as volé ? Ouais, ça doit venir d'un agenda. Le reste a disparu. Tout ce qui est lisible, c'est Icar, on dirait, et vers les sommets. Icar, le personnage grec ? Ouais, son père lui a fait des ailes avec de la cire et des plumes. Puis le garçon s'est envolé vers le soleil. Et le tir est plus d'Icar. Si quelqu'un sait quelque chose, tu vois qui c'est, Face. Hélas. Je sais qu'il n'est plus messager, mais il a des contacts. Tu peux plus l'éviter. On parie ? Qui ? Jackknife. Brick a pu localiser Jackknife. Il est sur un toit, pas loin des conduits d'évacuation des eaux usées. Mais le secteur est infesté de flics. Tu peux suivre les canaux jusqu'au quartier Hampton Town. Continue. Les autorités enquêtent sur la mort de Robert Pope, avocat et candidat à la mairie, retrouvé mort dans son bureau il y a quelques heures. La police a un peu de temps. Il est sur la s'éloigne. On dirait que tu la semais. Suis ses conduits maintenant.